Alors que la liesse populaire s'emparait de Diego Nefla après la victoire de la Côte d'Ivoire, Alassane Boubacar a retrouvé son domicile totalement carbonisé. Un incendie a éclaté quelques heures avant le match. Hier soir, vers les 17h-18h, on a eu les descendus. Voilà, voici ma maison qui est là. Vraiment, Dieu a fait que vraiment, là, tout ce qui reste qui est là. Vraiment, c'est bon, Dieu a eu mes voisins, au secours les autres voisins sont venus m'aider. Enfin, il demande ma femme après, le soir, il dit c'est le courant qui a fait. Vraiment, donc après, au courant, bon, on a vérifié. On trouve que vraiment, c'est les fils qui sont brûlés dedans aussi. Donc, matin, j'essaie de les ranger un peu dedans pour avoir à faire le saut aussi. Les enfants vont gagner place pour dormir aussi. En Côte d'Ivoire, un incendie domestique sur trois est d'origine électrique. La surchauffe des composants électriques est à pointer du doigt. Ces derniers finissent par enflammer des objets et autres matériaux combustibles aux alentours. Plus de peur que de mal, il n'y a pas eu de perte en vie humaine à déplorer. Mais deux autres domiciles ont été touchés par ricochet. C'est ma chambre, voici le salon qui est là. Voilà, donc voici le salon qui est là. C'est ici habité ma famille. On a tout perdu. Vraiment, tout ce que Dieu fait est bon. Alors, vraiment, merci bon Dieu. Avec mes enfants, vraiment, c'est bien passé. Et je pas la mort dedans. Donc, vraiment, merci bon Dieu. Mais vraiment, on a tout perdu. Il est recommandé de donner l'installation électrique d'un bâtiment à des professionnels et faire vérifier par Sécurel pour savoir si l'installation respecte les normes. Mais aussi, il faut faire attention à ne pas brancher plusieurs appareils de grande consommation sur une seule multiprise.